Il ne passe pas inaperçu dans le quartier. Après 2 ans de travaux menés tambour battant, le collège Jean Racine de Saint-Brieuc a ouvert ses portes à la rentrée 2020. Une métamorphose qui épate chaque jour ses 540 élèves. C'est plus beau, ça donne plus envie de venir dans le collège qu'avant. Il est plus écologique, il est mieux pour l'environnement, c'est plus moderne. Il faut dire que le collège Racine partait de loin, des années 60. Démoli et reconstruit sur le même site en un temps record, c'est désormais une construction bioclimatique pensée pour durer. L'idée principale a été de réouvrir le quartier, de faire disparaître cette forteresse que représentait un peu le collège Jean Racine d'autrefois. En lieu et place de 3 immeubles vétustes, un seul édifice orienté nord-sud. Il y a l'aile sud qui est complètement en bois, compris les planchers, et la partie nord est complètement en béton. Entre le brise-soleil, la partie sud qui est en structure légère et la partie nord, on a un système bioclimatique qui permet d'absorber vers le nord les calories excédentaires. Passé l'immense préau, une rue intérieure dessert toute la vie du collège sur 3 niveaux. Beaucoup de lumière, des volumes généreux, une acoustique adaptée, ce nouveau cadre de travail influe positivement sur le climat scolaire. Mais juste essayer de donner de l'épaisseur et un peu des articulations, comme tu l'as fait là. Dans ce cours d'art plastique, Loane, Elena, Mona et leurs camarades planchent sur ce qui est essentiel pour eux à travers la composition d'une BD. On aime tous être dans un bel endroit, un endroit propre, un endroit serein, un endroit lumineux, un endroit où on est bien, où on est respecté et qu'on respecte. Il va inspirer, il va donner envie de voir plus grand ou de voir plus clair. Je trouve ça essentiel dans un établissement scolaire. Classé en réseau d'éducation prioritaire dans un quartier en plein renouveau, le collège Jean Racine change petit à petit d'image et de réputation. La livraison de ce nouveau collège qui se fait en plus parallèlement à la restructuration du quartier de Balzac contribue déjà et va contribuer dans les années à venir à faire que ce collège ne sera plus celui qu'on a envie d'éviter mais celui dans lequel on a envie de venir, soit parce qu'on est du secteur, soit parce que même sans être du secteur, on sait qu'on y a de bonnes conditions d'apprentissage et de bons enseignants. Une évolution voulue par le département des Côtes-d'Armor qui a décidé et financé cette métamorphose.